qui me semble être de circonstance, à savoir gare à la séduction. Amen. Gare à la séduction. Alors nous allons prendre simplement un passage dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Nous prenons simplement un passage dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Toutefois, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, je crains que votre intelligence ne se pervertisse et ne s'écarte de la simplicité et de la pureté à l'égard du Christ. Je répète, la Bible dit, toutefois, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, je crains que votre intelligence ne se pervertisse et ne s'écarte de la simplicité et de la pureté à l'égard du Christ. Amen. Alors, nous allons essayer en ce matin de voir un peu qu'est-ce que la séduction, son origine, la source de la séduction, sa cible, comment y faire face et quels sont les signes qui peuvent nous aider à voir que nous sommes séduits. Amen. On va essayer, je vais essayer de toucher à tous ces aspects. Alors, au commencement, si nous voyons un peu les origines, nous pouvons voir que dans Genèse chapitre 1, 2, Dieu parle de la création. Au commencement, Dieu créa, et voici que Dieu créa l'homme. Une fois que Dieu crée l'homme et la femme, il les positionne dans le jardin d'Éden afin qu'ils puissent cultiver et garder justement le jardin. Alors, dans Genèse chapitre 3, on nous parle du serpent qui vient et qui séduit Ève. Il passe par la femme et il vient comme semer le doute. Dieu avait dit cette parole que vous pouvez manger de tous les arbres du fruit, tous les fruits des arbres du jardin, mais celui de la connaissance du bien et du mal, vous n'en avez pas le droit. Mais voici que le serpent vient et dit, Dieu a-t-il réellement dit que? Vous voyez, et ceci a amené comme la confusion parce que Ève a écouté et ensuite il lui dit, si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez comme Dieu. Ah, c'est une forme de séduction. Pourtant, l'homme avait déjà été créé à l'image de Dieu. L'homme était déjà créé à la ressemblance de Dieu. Et voici qu'il se fait séduire. On lui propose quelque chose qu'il avait déjà. On lui propose quelque chose dont il était déjà détenteur. Et voici que le doute étant entré, il désobéit à Dieu. Et voici. Donc, le péché entre. Voilà la première fois l'origine de la séduction. Alors, toute la Bible nous montre maintenant le plan de Dieu, ce que Dieu accomplit pour relever l'homme, pour repositionner l'homme dans sa position initiale. Pourquoi? Parce que l'homme était positionné, était positionné au-dessus de l'ennemi, au-dessus du diable, au-dessus du calomniateur, au-dessus du tentateur. Il était positionné il était le représentant de Dieu sur la terre et Dieu l'avait positionné au-dessus du diable. Mais voici qu'à cause du péché, il y a eu inversion de position. À cause de cette séduction, l'inversion est donc entrée. Il y a eu donc un changement de position. Le diable a été positionné au-dessus de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme s'est soumis à la parole de l'ennemi. Il s'est soumis à la parole du diable et voici que le diable a pris autorité sur lui. Et voici que l'homme est désormais soumis au péché. Il est désormais esclave du péché à cause de cette séduction dans le passé. Amen. Jusqu'ici, on me suit.
c'est ce qui se passe. Mais le plan de Dieu dans son amour, Dieu chasse l'homme du jardin. Et le plan de Dieu est de restaurer l'homme, de le repositionner à son état initial. Le plan de Dieu, c'est que l'homme retrouve son identité. Voilà pourquoi Dieu suscite la personne de Jésus-Christ. Et pour justement venir mourir à la croix, Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui va à la croix pour que nous puissions être sauvés. Jésus dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu justement nous restaurer et nous repositionner à notre état initial, c'est-à-dire au-dessus du péché. Amen. C'est ça le plan de Dieu. Alors, le texte que nous avons lu, on peut voir que, malgré cela, parce que l'homme a été repositionné dans son état initial, on peut être assuré que les événements peuvent se répéter. Ça veut dire quoi? Le diable combat tout ce que Dieu fait. Le diable, son rôle, c'est de combattre le plan de Dieu. Son rôle au diable, c'est de venir contester ce que Dieu a comme projet. C'est ça le plan de l'ennemi. Il veut détruire tout ce que Dieu fait. Or, l'homme a été créé à l'image de Dieu et le diable ne veut pas de ça. Le diable ne veut pas que nous soyons épanouis. Le diable ne veut pas que nous jouissions de la vie. Le diable ne veut pas que nous jouissions de la paix. Le diable ne veut pas de ces choses. Il veut détruire tout ce que Dieu bâtit. Voilà le rôle de l'ennemi. Voilà le rôle du diable. Alors il use de séduction. Et parce que nous avons été repositionnés dans notre état initial en la personne de Jésus-Christ, soyons sûrs que le plan de l'ennemi, c'est également de nous séduire de nouveau. Le plan de l'ennemi, c'est d'user encore de séduction afin que nous perdions ce que nous avons reçu. Voilà le plan de l'ennemi. Le plan de l'ennemi, c'est de venir encore par ses ruses, par sa séduction, afin de nous faire chuter, afin que nous perdions notre héritage en Christ. Nous pouvons le voir, notre modèle parfait, notre modèle d'excellence, la personne de Jésus-Christ, alors qu'il vient de se faire baptiser, Dieu témoigne de Jésus. Dieu dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Hein? Il témoigne, Dieu lui-même témoigne de son fils devant tous les hommes qui étaient présents ce jour-là, le jour de son baptême. Et voici que l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert. Et lorsqu'il est conduit dans le désert, à l'issue de ce désert, le diable vient, le tentateur vient et le séduit. Il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, change donc ces pierres en pain. Alors que Dieu a déjà témoigné, lui il vient dire, si tu es le Fils de Dieu, il emmène le doute dans nos pensées, il amène le doute pour ça. Est-ce que tu es réellement de Dieu? Est-ce que tu es réellement fils de Dieu? Est-ce que tu es réellement enfant de Dieu? Est-ce que tu es réellement appelé? Est-ce que tu as réellement la grâce de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as réellement reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as réellement été sauvé? Est-ce que tu as réellement l'assurance du salut? Est-ce que tu as réellement ces choses dont nous jouissons en la personne de Jésus? Voilà la ruse de l'ennemi. De faire douter de ce que tu as reçu, de faire douter de ton héritage, de faire douter de ce dont tu as la certitude d'avoir obtenu en la personne de Jésus. Pourquoi? La parole est certaine. Voilà pourquoi Dieu veut que nous nous appuyions sur cette parole. Amen. Afin que nous ne soyons pas des chrétiens ballottés à tout vent de doctrine, mais que nous soyons des chrétiens stables. Amen. C'est quoi la séduction? La séduction, c'est l'action de séduire. C'est un mot qui vient, donc ça vient d'un mot grec qui a pour racine apatheo et signifie tromper, séduire. Alors, que veut dire tromper? D'après le Larousse, on voit que c'est abuser de la confiance de quelqu'un. Se jouer de lui en usant de mensonges et de dissimulation. Vous voyez un peu? Deuxième définition, induire quelqu'un en erreur, lui faire prendre quelque chose pour ce que cette chose n'est pas, lui faire prendre quelqu'un pour ce que ce quelqu'un n'est pas.
C'est-à-dire, il nous donne de penser que ah, cette personne, vous voyez un peu comme l'idolâtrie. Tel homme, ah non, c'est Dieu. Hein, et on peut tomber dans cette séduction-là, on peut tomber dans ce piège-là, alors que Dieu n'est pas là-bas. Vous voyez, c'est on te fait, on t'induit en erreur, on te fait prendre une chose pour ce qu'elle n'est pas. Troisième définition, c'est faire à quelqu'un une erreur de jugement, une erreur d'appréciation. C'est également détourner par une diversion l'attention. Et quand on regarde, c'est quoi séduire? Donc c'est deux mots similaires, proche, c'est tromper, séduire, c'est ça la séduction. C'est attirer, séduire, c'est attirer fortement quelqu'un, le tenir comme sous un charme, c'est comme un enchantement. Enchanter, tenter quelqu'un, lui plaire, hein? C'est et exercer sur quelqu'un tous les moyens de plaire, en particulier pour l'abuser, faire illusion, le faire agir dans un sens bien précis. On peut voir ici la manipulation. C'est une forme de manipulation, une forme de ruse. C'est l'œuvre du malin, c'est faire preuve de malice. Et c'est un peu ça la séduction. C'est un peu ça la séduction. Alors, comment quelles sont les différentes formes de la séduction? On peut voir qu'il y a la séduction du péché. La séduction du péché. C'est quoi la séduction du péché? La séduction par le péché, c'est faire... Le péché est une forme de séduction, vous voyez? Ça veut dire qu'il a un certain attrait, une certaine attirance. Tu peux le voir, il peut paraître beau, il peut paraître bien comme ça, mais une fois que tu en as consommé, ça te détruit. Vous voyez, la séduction par le péché, c'est un aspect extérieur. D'un aspect extérieur, on peut se dire que c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Mais une fois qu'on y a goûté, on se rend compte que ça tue. Une fois qu'on y goûte, on se rend compte que ça tue. J'aime bien dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 38, on parle de deux prophètes. On parle du prophète Élisée, pardon. On parle du prophète Élisée qui donne à manger au prophète qui était avec lui. Et pour faire justement le bouillon, il était question d'aller chercher des feuilles. Et un des jeunes prophètes pour faire le bouillon, allait chercher des feuilles qui pouvaient ressembler à de la vigne. Il a récupéré des coloquintes sauvages. C'est quelque chose d'apparence, ça ressemble à la vigne, à de la feuille de vigne, mais ce n'est pas la vigne, c'est quelque chose qui tue. Et une fois qu'il ramène cette coloquinte sauvage, il ramène cette plante, il me le met dans le pot. La Bible dit qu'ils ne purent manger ce bouillon. Pourquoi? Ils disent tous, il y a la mort dans le pot. Il y a la mort dans le bouillon. Il y a la mort dans ce que on nous donne à manger. Et ça devient infect, immangeable. Et c'est l'image justement de la séduction. La séduction, une fois que tu y goûtes, ça te détruit. Et une fois, comment discerner un peu, c'est le résultat. Une fois que tu as mangé, tu te rends compte que mais les choses de Dieu. Non, la simplicité de l'évangile, tu n'en veux plus. Il faut que tu commences à rechercher des choses compliquées. Oh Seigneur, montre-moi des anges. Seigneur, montre-moi ci, montre-moi ça. On ne veut pas une vie transformée. On ne veut pas une vie de crainte de Dieu. On ne veut pas la simplicité de l'évangile. On veut un évangile qui est séduisant, un évangile qui est corrompu. Un évangile corrompu. Alors que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions ressembler à Jésus, que nous puissions manifester le caractère de Christ, que les âmes soient sauvées. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. C'est-à-dire, il veut que nous ayons la paix, il veut que nous ayons la joie, il veut que nous ayons ces choses. Mais une fois que tu goûtes à la séduction, tu deviens rebelle, tu deviens froid. La Bible dit qu'à cause de ce que beaucoup de faux prophètes se lèveront,
feront, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire que à cause de justement d'un mauvais évangile, à cause d'une mauvaise parole, à cause de ce que nous avons entendu, cela peut détruire et amener la mort dans nos vies, tout simplement parce que cette parole avait la mort. La Bible dit quoi? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Oh oui, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. De la même manière, la mort vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la séduction. Ce que l'on entend vient du péché. Et une fois, une chose, comment on peut discerner que la séduction commence à entrer? Tu commences à justifier le péché. Tu commences à... Ah oh non, mais... Non, on est quand même au 21e siècle. Des choses comme ça, non, ça, on peut, oh, quand même. Non! Non! Le péché, c'est le péché. Il y a suffisamment d'amour dans la puissance que Dieu nous a donnée pour dire non à toute forme de péché. Afin que nous n'acceptions pas le péché. Il y a suffisamment de puissance d'amour. Ça déborde. Où sont les vases disponibles? C'est possible de vivre loin du péché. C'est possible de dire non à la séduction. C'est possible de dire non à ces choses. C'est encore possible. L'amour du plus grand nombre se refroidisse à cause des mauvaises paroles que nous entendons. J'aimerais que nous prenions un passage dans le livre de Luc. Le livre de Luc, chapitre 7. Oh, y a-t-il encore des hommes et des femmes pour glorifier le nom de Jésus? Oh oui. Vous savez, il y a une forme de séduction, je veux en parler. Parce que ça se retrouve beaucoup, surtout au milieu des enfants de Dieu, au niveau de l'église. C'est Dieu utilise quelqu'un, au lieu de donner la gloire à Dieu, nous donnons la gloire à l'homme. Je ne comprends pas. On vient et on commence à flatter les goûts. Oh frère Jean, quand Dieu t'utilise. Frère, c'est la séduction. C'est une forme de séduction. C'est Christ qui doit être glorifié. La Bible dit que dans Marc, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 14, que Dieu permet de nous utiliser. Dieu nous utilise afin que les gens puissent donner gloire à Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'on donnerait gloire à un homme? Pourquoi est-ce que... Oh, laissons les gens rester humbles, vivre leur vie tranquillement, une vie d'adoration, une vie qui donne gloire à Jésus. Que ce soit Jésus qui soit vu, que ce soit Jésus qui soit glorifié, que ce soit Jésus qui soit élevé. Pourquoi? Parce que la foule désire toujours glorifier l'homme. La foule veut glorifier l'homme. La foule ne veut pas que Christ soit glorifié. La foule veut que l'homme soit glorifié, veut séduire les gens. Alors que c'est Jésus qui doit demeurer. Vous savez, s'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas la vie. Si Jésus n'est pas glorifié, il ne peut pas y avoir la vie. Impossible, c'est le nom de Jésus seul, 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 seul. Le nom de Jésus seul. Et nous allons le voir dans Luc chapitre 7. Donc je disais, nous allons prendre à partir du verset 15. Déjà, on peut voir dès le verset 11, on parle justement de Jésus, le cortège de la vie. Deux cortèges, le cortège de la vie, le cortège de la mort. Une femme qui avait perdu son fils unique, son seul enfant. Et elle était en train, avec une foule de personnes, d'aller enterrer son fils. Vous vous imaginez la tristesse, vous vous imaginez la douleur. Elle était en train d'aller enterrer son seul enfant. Dans les larmes, dans les pleurs. Mais lorsque l'homme de Galilée... Le Jésus-Christ de Nazareth, lorsque cet homme passe par là, lorsque cet homme passe par là, oh oui, la Bible dit que le cortège de la vie, il a juste touché le cercueil, il a touché le cercueil et cet enfant s'est relevé. Lorsque Jésus passe quelque part, il laisse la vie. Lorsque Jésus passe quelque part, il laisse la joie. Lorsque Jésus passe quelque part, il laisse la paix. Lorsque Jésus passe quelque part, oh oui, il ne laisse personne indifférent. Lorsque Jésus-Christ est purement glorifié, non pas... Non, lorsque Jésus est véritablement glorifié, la Bible dit
dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Jésus passe véritablement, tu ne souffres pas d'une misère quelconque derrière. Non. La bénédiction que tu as reçue ne souffre de rien. Ce n'est pas après, oh non, il s'est passé que, et puis j'ai perdu, il s'est passé ci, et puis non. Jésus laisse un fruit qui demeure, quelque chose de véritable, quelque chose d'éternel dans ta vie. C'est ça, l'homme de Galilée, Jésus. Et Jésus, ici, alors que cette femme est relevée, voici ce que la foule fait. La foule commence à acclamer. La foule commence à qu'est-ce qu'on dit? Verset 15, Luc chapitre 7, verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Il le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu et disaient: un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu est intervenu en faveur de son peuple. Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs. Ceci veut dire quoi? Ici, jusqu'ici, tout va bien. Mais la foule a une révélation particulière de la personne de Jésus. La foule appelle Jésus un grand prophète. Mais les disciples de Jésus savent qu'il est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Alors, voici ce qui se passe. Le verset 18. Les disciples de Jean lui racontèrent tout cela. Les disciples de Jean prennent la parole de la foule. Les disciples de Jean reprennent la parole de la foule et la ramènent à Jean dans la prison. Jean qui avait dit, voici l'agneau. Lui qui avait eu la révélation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il envoie ses disciples demander à Jésus, es-tu réellement celui que nous attendions? Ça veut dire quoi? Une séduction vient aussi de ce que l'on entend. La séduction est venue de ce que les disciples de Jean n'ont pas veillé. Ils ont pris la parole de la foule. La parole des personnes qui... La foule ne connaît pas Dieu, vous savez. La foule a une révélation distante de ce Dieu-là. Certains le connaissent juste pour celui qui donne à manger. On le suit juste parce que c'est celui qui fait du bien. Il donne la vue aux aveugles. Mais qui le connaît véritablement dans son essence, dans sa nature parfaite? Les disciples. Les disciples. Jean est dans sa prison et il entend cette parole. Et voici qu'il est, il est comme séduit et il envoie demander, es-tu réellement celui que nous attendions? Pourtant, c'est lui qui avait dit, voici l'agneau de Dieu. Et son cœur était dans la joie lorsqu'il disait cela, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et plus tard, il dit, es-tu réellement séduction? Séduction. Ça veut dire que ça peut arriver au plus grand. Ça peut arriver à n'importe qui. Si nous ne veillons pas, si nous ne faisons pas attention, ça arrive. Et voici que la séduction fait que nous n'ayons plus l'amour. On commence à justifier le fait qu'on se défende nous-mêmes. Ça veut dire qu'on t'a fait du tort et tu te dresses, tu te lèves, par tes propres forces tu te défends et puis tu veux justifier cela. Non, mon frère, ma soeur, c'est Jésus seul qui justifie. C'est Jésus seul qui justifie. Le caractère de Christ. Il dit, Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il ne t'a jamais dit, je t'envoie comme un lion. Il ne t'a jamais dit, je t'envoie te défendre par toi-même. Il ne t'a jamais dit cela. Mais parce qu'on est comme séduit, on croit que non, moi, il faut se lever lorsqu'on nous fait du mal, lorsqu'on nous perd. Qui t'a dit ça? On te blesse, tu viens. On te blesse. Tu es guéri. Parce que le Saint-Esprit, l'amour de Dieu aspire le mal. L'amour de Dieu aspire le mal qu'on peut nous faire. Voilà le pur évangile. L'évangile pur de la parole de Dieu. Il dit, désirez le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Arrêtez vos fables. Arrêtez vos fables. Le lait spirituel est pur de la parole de Dieu. On me fait du mal ici, je pars, je vais là-bas. On me fait aussi du mal là-bas et je tourne en rond, je commence à errer. Ce n'est pas ça le caractère de Christ. Vous savez, on peut déployer la puissance, mais la puissance ne nous garantit pas le ciel. Voilà ce que Jésus dit. Jésus dit, plusieurs viendront et diront, n'avons-nous pas délivré, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait des choses? Il dit,
éloignez-vous de moi. Vous qui pratiquez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que ce qui nous garantit le ciel, c'est d'abord le caractère. Ça veut dire que c'est d'abord l'amour. Si tu ne vis pas l'amour, frère, mon frère, ma soeur, on perd un peu notre temps. La volonté de Dieu, c'est que nous manifestions l'amour. C'est ce que le monde n'a pas. C'est ce que le monde n'a pas. Tu vas au travail, on t'écrase. Tu témoignes l'amour. Et ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais cet homme est différent. Et ça leur donne envie de te connaître. Mais toi, tu es différent de nous. Nous savons que... Bien-aimé, changeons. Il dit, j'ai peur que vous vous éloigniez de la simplicité. Oui, que votre intelligence ne s'éloigne de la simplicité et de la pureté de l'évangile. Ça veut dire que on commence à intégrer, à ingérer les principes et les fondements du monde dans l'évangile. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à marcher sur le fondement de Christ. Il nous a donné un modèle parfait afin que nous puissions l'observer et nous inscrire également sur les traces de notre maître. Nous voulons ressembler à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ressembler à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être véritablement l'église de Jésus-Christ? Le temple du Saint-Esprit. Oh Seigneur, vois nos cœurs. Vois notre désir encore, Seigneur Dieu. Oh oui, de nous approcher de toi. Vois notre désir encore, Seigneur, de te ressembler. Vois notre désir encore, Père éternel, de témoigner, oh oui, de ton amour. Je te supplie. Une séduction. On vient glorifier l'homme. On vient te dire, ah, mais mon frère, vous savez, il y a des gens, ils sont au milieu de nous, ils viennent te détourner du plan de Dieu. Ça, c'est la ruse de l'ennemi. Le diable travaille davantage de l'intérieur. Voici comment ça se passe. Une forme. Il vient. Certains te donnent même des prophéties en cachette. Ça veut dire que ce n'est jamais à la lumière. C'est toujours dans les soubassements. Il te donne des prophéties qui n'édifient pas ton esprit, mais qui excitent ta chair. Des prophéties qui... frère, toi, je sens toi... Je sens toi quelque chose de différent. Oh, toi tu es au-dessus de tous les autres. Toi. Et vous voyez ce que ça produit? Tu commences à... Et puis ici on me bloque. On ne connaît pas mon appel. Un grand prophète. Et tu commences à être rebelle vis-à-vis des autorités. Il y a des autorités spirituelles devant toi. Tu n'écoutes plus. Et tu commences à... Et puis tu pars. Tu pars. Et comme personne, tant qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu, personne ne peut reconnaître ton ministère. Personne. Alors tu vas finir par t'appeler toi-même. Ou alors les hommes vont t'appeler. Personne ne peut reconnaître un rebelle. Personne, alors là je vous le dis, personne, aucune vraie autorité ne peut reconnaître un rebelle. Sinon il est aussi le fils de la rébellion. Personne ne reconnaît un rebelle. La rébellion, c'est ce qui a chassé le diable de la présence de Dieu. Alors toi qui marches dans la rébellion, qui n'écoute personne, on ne peut même pas te parler. Tu crois que tu vas être reconnu par qui? Par qui? Vous savez, Jésus, avant d'entrer dans son ministère, il voit, Jean-Baptiste le voit et reconnaît la grâce, il dit, oh, voici l'agneau de Dieu. Ça veut dire que un des principes, c'est qu'il y a déjà quelqu'un en vigueur qui doit te voir. Une autorité spirituelle dans le gouvernement terrestre qui doit te voir, gouvernement spirituel, qui doit te reconnaître. Une fois qu'il t'a reconnu, Dieu doit témoigner de toi. Oh oui, Dieu doit également témoigner de toi. C'est un principe, il n'y a pas 2000 façons, sinon tu vas t'appeler toi-même. C'est un fondement. Ça veut dire ça, on ne passe ni à gauche ni à droite. S'il n'y a pas ça, frère, tu n'es pas appelé. Sinon, c'est les hommes et c'est les synagogues de Satan après. Il y a des gens aussi,
Donc, on vient, on excite ta chair, vous voyez? On excite ta chair, on ne fait pas. Pourtant, une des choses, vous savez, pour nous aider vraiment à discerner, parce que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons assis dans les Écritures. Amen. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons enracinés en Jésus-Christ. Alors, une des ruses, c'est aussi une façon de discerner, c'est ils ne font jamais rien à la lumière. Ou alors, les motivations de leur cœur, ils les cachent, mais ils paraissent. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, il me semble le verset 1er à 6, en tout cas, vous pouvez lire tout ce qui est dit à l'église de Sardes. Mais il dit à l'ange de l'église de Sardes, il dit, tu parais vivante, quoique mort. Donc, c'est des gens qui paraissent vivants. C'est des gens qui peuvent être au milieu de nous. Ils paraissent vivants, ils font beaucoup de bruit. Oh, que ce ne soit pas... Ce n'est pas ça. C'est pas mauvais. Hein, comprenez mon langage. C'est pas mauvais. C'est juste que... Il ne faut pas qu'on soit bluffé. Qu'on soit... Non, c'est le caractère de Christ qui doit nous impressionner au milieu des enfants de Dieu. Il dit, vous les reconnaîtrez, en parlant des faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est quoi le fruit? C'est le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Voilà les fruits qui doivent être discernés dans la vie de l'appelé de Dieu, dans la vie du prophète de Dieu, dans la vie de l'enfant de Dieu. Voilà le fruit. S'il n'y a pas cela, frère, ne nous laissons pas bluffer. Ne nous laissons pas séduire. Ne nous laissons pas impressionner. Ne nous laissons pas. Frère, la Bible dit que dans les derniers temps, le faux prophète va séduire beaucoup avec des miracles, avec la puissance. Mais ce n'est pas la puissance de Dieu. Je veux vraiment insister là-dessus. Ce n'est pas la puissance que nous devons regarder ou pour attester que la personne est de Dieu ou pas. Ce n'est pas ça. C'est le caractère. Mettre en place des principes, voir les principes et les fondements établis par la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 8. Vous allez voir que Jésus-Christ, durant tout son ministère, il pose les fondements et il met en garde contre la séduction. Tous les apôtres, ils prêchent le message, ils mettent en place les fondements, mais ils prêchent également, ils disent, mettent en garde contre la séduction. Parce que la séduction, c'est l'esprit de la fausse prophétie. La séduction, c'est ce qui travaille davantage en ces temps, surtout dans les pays occidentaux. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Je lis au nom de Jésus, la Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie au moyen d'une philosophie trompeuse et vide, selon la tradition des humains, selon les éléments du monde et non pas selon le Christ. Il y a de ces gens qui veulent emmener les principes du monde dans l'église. Ça veut dire que leur fondation, leur fondement, la parole qu'ils emmènent n'a pas pour fondation la Bible, mais a pour fondation le monde. Et ils viennent nous séduire avec ça. Ils viennent nous vouloir comme nous écarter du plan de Dieu pour nos vies avec ça. Ça aussi c'est un moyen. Oui, c'est une des ruses, la séduction par la philosophie, les principes du monde qui n'emmènent rien, la mort si ce n'est. La séduction par la philosophie. Et une des ruses de ce principe, de cette philosophie, c'est que ça emmène la confusion au niveau des enfants de Dieu. On ne sait plus trop se positionner. Certains même ne viennent plus à l'église. Vous voyez? Ah non, moi, l'église, c'est pas vraiment utile. C'est pas vraiment nécessaire. Je peux rester à la maison, je prie à la maison. Hein? Vous voyez, donc c'est des philosophies. Ça n'a pas pour fondement la Bible. Mais vous voyez que le rôle de ça, c'est pour nous éloigner de la parole véritable de Dieu. Le rôle de ceci, c'est de nous éloigner de la bergerie. Parce que nous sommes un troupeau, le troupeau du Seigneur. Nous avons besoin d'être ensemble. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait uniquement parce que nous sommes ensemble.
La Bible dit qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là. Et parce que nous sommes ensemble, Dieu travaille. Parce que également, le pourquoi nous sommes rassemblés, il y a une vision de Dieu, il y a une alliance. Dieu est fidèle à son alliance, fidèle à sa parole. Il n'est pas fidèle aux fables, il n'est pas fidèle aux hérésies. C'est l'alliance de Dieu qui fait que Dieu agisse. Vous savez, je me rends de plus en plus compte. Dieu nous utilise et Dieu travaille dans nos vies à cause de son plan, de sa vision qu'il insigne, qu'il donne. C'est le but pour lequel Dieu nous utilise et Dieu nous remplit. Si nous ne travaillons pas ou si nous ne sommes pas attachés à la vision de Dieu, Dieu ne nous remplit pas. Tu as du mal à prier, tu as du mal à faire les choses de Dieu parce que tu ne sers pas le royaume. Tu n'es pas attaché à la vision. Parce que Dieu cherche des personnes disponibles, des vases qu'il peut remplir, des vases qu'il peut utiliser, mais pour son plan. Pour son plan. Pour son plan. Non, je veux vraiment insister là. Pour son plan. Vous allez voir que même quand Dieu appelle quelqu'un, il l'attache à la vision. Il l'attache à l'œuvre qu'il accomplit déjà. Parce que Dieu ne va pas commencer quelque chose avec quelqu'un ici à part. Un électron libre qui est ici, et puis il travaille. Non, Dieu est dans le champ. Et pour si, dès qu'il veut t'utiliser, il va te raccorder à ce qu'il fait déjà. Il va te faire passer par les mains de quelqu'un. Il va te faire passer sous l'autorité de quelqu'un pour te raccorder à la vision. Et ensuite, il t'envoie. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça veut dire Dieu te raccorde, doit te ramifier à la vision, doit te ramifier à ce qu'il fait déjà. Parce que Dieu n'a pas cessé de travailler depuis le commencement. Il ne commence pas des choses avec toi parce que non, Dieu travaille depuis et ce qu'il fait, il te ramifie à la vision. Pour que tu captes, que tu saches dans quel temps nous sommes, que tu saches qu'est-ce qui a déjà été fait et où est-ce que tu peux aller. Les gens ne savent pas qu'est-ce qui a déjà été fait, mais ils veulent se lever. Non. Dieu doit te ramifier à une vision. Ne rêvons pas. Et tous autant que nous sommes, Dieu nous appelle à le servir. Luc chapitre 1er, s'il vous plaît. Luc chapitre 1er. À partir du verset 71, je lis au nom de Jésus, la Bible dit, comme il a parlé, 70 même, comme il en a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois, un salut qui nous délivre de nos ennemis et de tous ceux qui nous détestent. C'est ainsi qu'il montre sa compassion envers nos pères et qu'il se souvient de son alliance sacrée. Vous voyez, Dieu travaille depuis, ce n'est pas aujourd'hui. L'alliance, il avait déjà commencé à travailler par le passé et nous sommes la continuité de ce que Dieu fait déjà. Selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père, ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivré des ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice devant lui tout au long de nos jours. Vous voyez, Dieu nous appelle à lui rendre un culte, à le servir, tous autant que nous sommes, afin que nous puissions nous approcher de lui et le servir. C'est le plan de Dieu. Chacun de nous a été sauvé pour servir Dieu. Mais on ne sert pas Dieu en tant qu'électron libre. On sert Dieu dans la vision, dans le champ. Dans quelque chose que Dieu a déjà commencé à faire, afin que tu sois dans la continuité. Et quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confie des plus grandes. Tu peux commencer par des choses insignifiantes selon toi. Mais c'est le plan de Dieu, afin qu'il teste ta fidélité. Parce que Dieu est fidèle, mais il ne va pas te donner des choses qui vont te tuer. Donc il veut d'abord voir tester, voir un peu cultiver l'esprit de la mission en toi. Cultiver ta fiabilité. Parce que Dieu ne va pas investir sur un terrain qui n'est pas fiable. Personne de vous, de nous ne va aller investir en Syrie. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Dieu n'est pas plus stupide. Est-ce que vous comprenez? Qui va aller investir là où il n'y a pas de stabilité? Personne. Et un des signes de la séduction, c'est l'instabilité. Tu es instable. Cours après.
c'est l'instabilité, signe de la séduction. Alors, nous allons aller sur la fin. Comment faire face? Comment nous aider face à justement cela? La Bible dit « Veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. » Voilà déjà le premier principe qui va nous aider. Veillez et priez. Dans le terme « veiller », on voit une certaine discipline. Une discipline. Discipline-toi dans certaines choses. Moi, une fois, petit témoignage, j'ai discipliné ma vie à être fidèle. À un travail, discipliner ma vie, à être fidèle dans les enseignements. J'ai discipliné ma vie, c'est-à-dire que même si je dois dormir, je me réveille comme ça, je sais que ma vie est disciplinée, conditionnée comme ça. Ça me garde. Il y a des choses, si tu veux que Dieu te garde sur la durée, c'est une discipline à mettre en place. Qu'il vente, qu'il neige, ça ne doit pas bouger. Ça ne doit pas bouger. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il se passe quoi que ce soit, cette chose ne doit pas bouger. Cette discipline doit rester stable. Parce que c'est ce par laquelle Dieu passera pour te garder au jour de la tentation. C'est ce par quoi Dieu passera. Être stable. Et une autre astuce, donc prier la prière, être également discipliné dans la prière, amen. Et une autre chose aussi qui peut nous aider, avoir un mentor, un père, une autorité, quelqu'un de qui on est proche, avec qui on peut partager des ressentis, on peut partager justement des situations, quelqu'un avec qui on peut partager ce par quoi nous passons et qui peuvent nous conseiller, qui peuvent regarder si notre marche est conforme, quelqu'un qui nous regarde et qui peut dire oui, là c'est bien, et il te redresse quand ça ne va pas, quelqu'un qui peut, lui qui a un droit, qui regarde tes pas et avec attention et minutie et qui t'aide, qui peut t'aider encore à corriger afin que tu portes davantage de fruits. Ça c'est la première chose, un des principes très importants, un père ou un mentor. Si tu n'as pas cela, il te manquera un équilibre. Il te manquera un équilibre. Parce que personne de nous n'est né en priant. La prière n'a pas commencé avec toi. La prière n'a pas commencé avec moi. Les choses spirituelles sont si complexes que même toi, tu peux te perdre. C'est un monde que nous ne connaissons pas totalement. Et c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. La Bible dit que la parole est la vérité, n'est-ce pas? Et l'Esprit de Dieu nous conduit dans quoi? Dans toute la vérité. Mais l'Esprit n'a pas commencé avec nous. Donc voilà ainsi des principes qui vont nous aider, nous garder au jour du malheur, au jour de la détresse. Avoir un mentor, un père dans la foi. Avoir également un ami. Quelqu'un avec qui on peut avoir une certaine proximité, une certaine aisance. C'est aussi important. Un ami, quelqu'un digne de confiance. Quelqu'un, un homme de foi. Parce qu'il ne faut pas... un ami, quand quelqu'un n'est pas... Vous savez, il faut être entre gens de foi. Si quelqu'un n'a pas trop la foi, on peut être... Hein, mais il y a une certaine limite. Il faut savoir mettre des bordures. Tout simplement parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est important. Sinon, on peut commencer à se laisser influencer par tout et n'importe quoi. Et on ne le voit pas venir. Moi, il y a des personnes, je les garde à distance. Mais j'aime. Hein? Non, c'est pas un manque d'amour, comprenant mon langage. Mais à cause de ce que j'ai reçu, la Bible dit que là où est votre trésor, là où est votre cœur, là aussi est votre trésor. Garde ton cœur plus que tout, car de lui jaillissent les sources de la vie. Si tu ne veilles pas sur ton cœur, la séduction entre et un jour tu n'es plus là. Tu ne comprends pas, tu es froid. Donc voilà encore des principes qui peuvent nous aider. Un ami, quelqu'un avec qui tu peux dire, viens, aide-moi mon frère, ici je me sens faible, allons, prions, jeûnons. Et quelqu'un qui est aussi là pour t'écouter. L'amitié avec des personnes, des gens de foi,
Autre principe qui peut nous aider aussi au jour du malheur, c'est être enseigné. Être enseigné, rechercher l'enseignement. Rechercher l'enseignement, grandir dans les choses de Dieu. Hein? Prendre les enseignements, parce que comme je disais, personne de nous n'est né avec la prière, personne de nous n'est né avec l'esprit, personne de nous n'est né avec ces choses-là. Non, c'est ça, besoin d'être encadré, et nous avons besoin d'être enseignés dans la parole de Dieu. Amen. C'est un fondement très important. Avoir aussi une église d'attache, ça aussi, ça aide. Une église d'attache où la vérité Jésus est glorifié. Un endroit où il y a la foi. Ça aussi, c'est très important. Ça nous garde au jour du malheur. Tu ne comprends pas, tu étais un peu abattu, mais tu viens à un endroit, la parole de Dieu te restaure. Tu es relevé dans l'adoration. Oh oui, il y a le feu de la prière. Tu rentres chez toi, tu as envie de prier. Les choses de Dieu reviennent. Tu as encore soif. Pourquoi? C'est l'environnement. L'environnement. Il faut aimer la présence de Dieu. C'est si bon, la présence de Dieu. Ah, je nous assure, on était en retraite avec la jeunesse. On a passé des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Des moments merveilleux dans la présence de Dieu. On a affectionné la présence de Dieu. Et vous voyez, Dieu aussi n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. On n'aura pas les mêmes résultats. Entre celui qui se donne, qui se dispose pour les choses de Dieu et celui qui ne le fait pas. Hey, on ne peut pas avoir les mêmes résultats. Dieu n'est pas injuste. Dieu donne à ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh oui, notre Dieu est bon. Ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. Alléluia. Alléluia. Jésus soit glorifié. Jésus soit glorifié. Jésus soit glorifié. Jésus soit glorifié. Jésus, à toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Nous voulons nous lever dans la prière. Oh oui, Seigneur, je te demande pardon pour la maladresse avec laquelle j'ai apporté le message. Mais je bénis ton saint nom parce que tu as su te glorifier. Je bénis ton saint nom, alléluia. Alors que la chorale s'avance, Yembro Sanderebo Shanderebo Shaka, Yare Sakanderebo Shanderebo Shada, Ere Sakambre Sakanderebo Shanda. Nous voulons te donner, Seigneur Dieu, l'adoration. Nous voulons te donner la gloire. Nous voulons, Seigneur Dieu, oui, élever ton saint nom et te dire encore merci. En ce temps de famine, tu nous as bénis. En ce temps de famine, tu nous as bénis. Nous n'avons pas manqué de pain. Oh oui, Seigneur, tes enfants ne peuvent pas manquer de pain. Ceux qui t'aiment, mon Dieu, mon roi, ne manqueront jamais le pain de la vie. Alléluia. Nous voulons te glorifier, Jésus. Te glorifier, toi et toi seul. Toi et toi seul. Le seul nom par lequel, oh oui, Seigneur Dieu, nous devrions être sauvés. Oh oui, mon Dieu, mon roi, nous voulons te glorifier. Nous voulons te glorifier, Jésus. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te glorifier. Enlève l'amertume. Enlève l'amertume. Enlève, Seigneur Dieu. Oh oui, toutes les chaînes. Enlève, Seigneur. Brise, Seigneur Dieu, le chaos. Enlève les mauvaises semences. Tout ce que nous avons pu entendre qui a mené la mort. Purifie nos cœurs. Oh, Shanderebo Shanda. Yeah.